saluer aussi les patrons. C'est pas en saluant avec les sacrifices. D'accord? Ça, c'est ça la salutation. Oui? Vous saluez, n'est-ce pas? Bonjour Madame Hidon. Bonjour Monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci. J'espère pour vous aussi. Oui, ça semble aller par la grâce de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Tout va bien. J'aimerais le certifier. Et nous sommes là. Vous allez voir après les images que nous sommes là pour la remise des certificats pour la formation reçue des agents pour la sécurité, le gardiennage, la protection industrielle des biens et des personnes. Alors nous sommes là après une formation qu'ils ont reçue sur différents modules qu'ils ont eu à recevoir avec le chef Tango pour la sécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes décidés avec notre directeur commercial, Monsieur Luc Marcel et Congo, de remettre des certificats à tout agent pour certifier qu'avec Zen Security, nous engageons pas des agents qui ne connaissent pas quelque chose en sécurité. Alors nous avons formé des agents pour qu'ils puissent faire un bon travail. Alors vous le verrez après, nous allons remettre des certificats pour la formation de tout un chacun avec mention satisfaction. Merci madame. C'est bon? Très sincère, félicitations. Et bonne chance. Moi, Banza dit Frédéric. Félicitations, madame. Bonne chance dans ta vie professionnelle. Mouti Mandou à Joachim. Présent. Kabunda Mtumba Trésor. Bonne chance dans ta vie professionnelle. Merci beaucoup. Monsieur? Mavoka Manda Madeta. Madame, félicitations. De bonnes chances dans ta vie professionnelle. Chitengenda et Jean Blaise. Présent. Jean Blaise, félicitations. De bonnes chances dans ta vie professionnelle. Merci. Ngalula Nkumbi Wali. Monsieur Ngalula, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Kankoumenji Albert. Présent. Félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Malengue la fouille l'argent le bon. Présent. Jean Lebon, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Koubengana Wakengela Richard. Présent. Félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Tchélé Kamalamba Dieu donné. Félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Koudimoy Mwamba Sophie. Madame Sophie, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Kamayema de Makia. Monsieur Kama, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Dilungane Lusenge Kennedy. Félicitations, bonne chance dans ta vie professionnelle. Kapinga Nkoko Jocelyne. Madame Kapinga, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Chibangu Mboui Alexis. Présent. Félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Pela Yaila Ogos. Présent. félicitations et bonne chance de ta vie pour nous. Merci. Kaké, c'est mot qui est trésor. Monsieur Kaké, c'est félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Chimenga Kabea Roger. Monsieur Chimenga, félicitations et bonne chance dans ta vie professionnelle. Alors, tu comprends ce qui est sorti du Zimbabwe. C'est nous. Zen Sécurité, c'est nous. Zen Sécurité, c'est nous. Commandant, on va les remettre aux enveloppes. L'éducation, de l'eau formation ici, ma combattant va comme formé. Mais l'eau c'est la avant d'abord, il y a Kokota Moussala. Les autres c'est va prendre comment et puis dégagner va couper cet exercice ni les autres ça que moto abanda musala les alagaté que quand vont il faut d'abord quoi prendre donc et le il faut basokola bato il faut isoyer comment combattre basokola bongo na bango que basala kaboye musala bandaka boye et sala kaboye bandaka tel c'est ce qui s'est passé pendant 2 semaines basirisi yango et les leur formation ici basé ba brevet yango tozo esenga omoni ba congolais ebele bazokanisaka ete ezali théâtre ou soit ezali songolo fakala misala ezali kosalama bato ya volonté baoyo balakisi bolingo ke quand même bakoki kocontribuer na appel ya président de la République Excellence Félix Antoine Tshilombo ba répondre lelo tozali kokende malembe et gouvernement ebimi c'est pas là tolobi ministre oyo abimi azali ministre ya le ventre d'abord te azali ministre ya le peuple d'abord donc voilà comment tozo senga maintenant vie ezala améliorer même na bato oyo bazoya kona ko investir taxe ezala niveau ya ezo sengela donc pour makambo ezala bien accueilli na opinion nationale et internationale comme ni président zokende kotabola partout pour lokasache hein papa lokasache oyo balobaka si je nangai ezali que lelo ezali ba remettre ba brevet na ba combattant oyo bazalaki bazali ko seka un jour mais aujourd'hui bazali ba retrouver babandi musala est-ce que ndenge ba remettre bango ba brevet ba mususu ba ya lisusu te kaka bango to non bazali ba mususu bazana c'est chaque jour bazali awa oyo basilisi ba mususu bazoya bisani pa pour na peuple congolais kaka ba combattant de kaka na lobi combattant te congolais nyonso sans couleur et donc jeune nyonso ezala ya mwasi ezala ya mobali bazali babengami baya kobanda musala ezali ya oteke o ezali kopesa condition moko songolo pakala condition ezali kaka ozala na carte d'électeur na yo ozala na CV na yo obongisi yango tofongoli liboka tonyati yango en désordre hein c'est ça et loko biso boyokaki président sali appel et puis ba congolais et loko biso tozaki koloba chaque fois lelo nakitia opona bana la kisina leka na kamera pona web c'est bien OK c'est confirmé ba congolais bazana posa ya ko investir baye et puis misala ngo ezali aventure te ezali réalité bomoni yango et puis bomoni ba brevet ba congolais et puis ba combattant ba bandi musala président vous assure que va combattre ça grève te ba marcher te bon je ne sais pas comment puisque mon eloko aliboso eloko d'abord faut comprendre les amaka ba grève te soki omoni muntu omoni batu oyo ba vivre même na poto ba yebi condition ko zo avaler ya moto donc ezali wazarte soki lelo bazali ya ezali makambo te ko muntu akosala grève donc muntu a miko atali ke na koki yango asali ke naya na kokoma na pesa ba congolais moi quelque chose wana zana ngo ce n'est pas dire ba musu bazo senga et pas président bazo zela mais bango quand même bazali na quelque chose oyo ko pesa ba congolais donc voilà au moins eloko ya mutuya ko tozali ko yebisa ba congolais nyonso bisika bozali ke ezali na ba société oyo ba fongoli opportunité na ba congolais ya jeunesse boya bo participer na yango pour masole simba tonya tabor torega. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur Longa. Aujourd'hui on a constaté qu'il y a eu la remise de brevet. La formation a pris combien de temps? Oui, merci beaucoup pour m'avoir apporté ces cours à travers votre caméra pour essayer de parler de la cérémonie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une cérémonie spéciale parce que nous avons doté de à nos agents l'outil de travail nécessaire pour faire un bon travail. Et c'était un programme vraiment accéléré parce que le marché de l'emploi nous l'exigeait. Donc nous avons fait un programme de 15 jours. 15 jours. 15 jours. Maintenant, c'est quantième promotion? Je crois que vous êtes venu ici, ça c'est la deuxième promotion. Nous avons commencé par les gens qui connaissaient déjà la profession du gardiennage que vous avez vu à travers votre caméra, à travers vos images, le groupe de gens qu'on a déjà placés. Mais il se faisait qu'on ne pouvait pas les envoyer comme ça sans passer par une formation professionnelle. Et c'est comme ça que nous sommes arrangés à travers la haute direction via notre académie, Zen Security Academia, pour donner les modules de formation nécessaires. Et pour ce faire, à tout Seigneur, tout honneur, nous jetons de fleurs, nous remercions d'abord le Seigneur, l'Éternel Dieu, pour nous avoir placés à la tête du pays, un fils du pays qui a le sens du développement, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, et à sa tendre et chère épouse, Madame Denise Nyakireo Tshisekedi. Nous les remercions sincèrement, surtout pour avoir aussi lancé un appel à tous nos frères et sœurs de la diaspora pour venir investir au pays. Notamment, vous êtes ici dans les installations qui abritent Zen Security, qui abrite Capo Immobilier, qui abrite Dabimex. Et tout cela donnera l'opportunité d'emploi à la jeunesse démunie, longtemps désœuvrée dans ce pays. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a plus de 15-20 ans, il y a une jeunesse qui flotte sans trouver de l'emploi. C'est ainsi que nous jetons le fleur à M. Albert Nzengu-Nzengu Pacho, notre gérant. Nous jetons le fleur également à notre administrateur, M. Dani Povabibola, qui ont laissé tout ce qu'ils avaient comme intérêt en Europe pour venir investir dans ce pays. Ainsi, comme dit l'adage, si tu me donnes du pain aujourd'hui, demain j'aurai encore faim. Apprends-moi à pêcher et je n'aurai plus faim. Donc voilà le message de Zen Security. Zen Security, on continue, monsieur le directeur, le recrutement, ça continue toujours? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous vous rappelez que je vous avais dit que Zen est encore jeune. Zen Security, c'est un enfant qui n'a pas encore commencé à manger parce qu'il n'avait plus de dents. Qui n'avait pas des dents. Mais maintenant, je vous rassure que Zen Security a des dents et le recrutement continue avec la même procédure, les mêmes conditions pour pouvoir donner de l'emploi à toute la jeunesse congolaise. On a retrouvé les femmes dans votre formation. Vous comptez aussi former les femmes pour la sécurité? Mais bien sûr, les mamans savent que il y a ce phénomène de la parité, où les femmes réclament leur quotité et leur répartition, que les dames veulent avoir dans la quotité qu'ils exigent par rapport aux hommes. Alors nous sommes en train de prôner cela aussi. Nous ne faisons pas la différence entre hommes et femmes, parce que tout ce qu'une femme peut faire, un homme peut le faire, et tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Donc nous n'avons pas de distinction. Nous formons aussi les hommes pour le même métier, sauf qu'il y a des particularités. Par exemple, que les femmes dans le gardiennage ne passent pas la nuit dans les sites. Et il y a des conditions que nous réservons à nos mamans. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Aujourd'hui, on a constaté que vous avez réussi le certificat de formation. Est-ce que vous pouviez expliquer au peuple congolais exactement c'est quoi? Oui, exactement. Nous avons été engagés au niveau des Zen Security. Avant de commencer, normalement, nous devions passer par la formation. C'est alors qu'après la formation, Zen nous a honorés en nous remettant les certificats. Donc, nous sommes vraiment hyper contents et joyeux d'avoir commencé ces services dans Zen Security. Qu'est-ce que vous avez appris en un mot? Nous avons appris toutes les techniques possibles pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Qu'est-ce que vous dites par rapport à vos responsables? Par rapport à mes responsables, j'ai dit d'abord merci pour cette formation parce que ça nous a permis d'être à la hauteur et d'être capable d'être réellement agents de sécurité. Et nous demandons à ce que tout le temps que nous allons passer ici, que nous soyons ensemble, en famille et qui nous soutiennent afin qu'on puisse bien faire notre travail. Merci monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez eu le temps de former vos enfants? Nous avons été bien préparés. Nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes obligés de lancer des produits fiables. Nous ne vendons pas des sacs de sucre. Nous allons vendre des prestations à nos abonnés. Donc nous devrons leur présenter des produits bien formés, bien préparés, qui doivent les servir jusqu'à atteindre l'objectif de la sécurité. Dans la formation, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficultés? Bon, toutes les conditions étaient meilleures, puisqu'on avait pris l'entreprise Zen Security, avait pris toutes les dispositions possibles de nous mettre en bonnes conditions pour que les matières soient bien dispensées, et cela s'est passé ainsi. La formation continue pour le nouveau recrue? Oui, nous sommes en pleine formation pour d'autres promotions. Nous allons toujours continuer à poursuivre notre objectif d'avoir des bons produits sur terrain afin que notre entreprise répond, satisfait aux besoins de nos partenaires. Le durée de la formation, c'est pas combien de temps? Ça se passe bien, nous avons des modules, cela dépend des modules que nous prenons jusqu'au point de terminer le programme que nous avons et tout le monde est servi et les cours sont bien dispensés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise? De profiter de cette occasion, c'est une opportunité afin qu'ils puissent eux aussi se lancer sur le marché. Le marché d'emploi est là, le chef de l'État a lancé cet appel, les partenaires sont là. Et Zen Security est prêt à les recevoir. C'est lui qui remplit toutes les conditions possibles. Merci.